14, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom, ce nouvel épisode de Fallout 3. Et attention, on va tenter un petit quelque chose. Et on n'aura pas eu le temps. Donc, chers amis, on va faire un petit truc. On revient par rapport à la sauvegarde rapide d'avant le passage du temps. On sort notre arme. Une fois qu'on l'a équipé et qu'on l'a bien lancé, sauvegarde rapide, tempo, enfin attente, 12 heures, et nous nous préparons à faire clic gauche, tout simplement. Attention, attention, attention. J'ai touché personne ? Si j'ai touché personne, ça vaut pas le coup. 12 heures. J'avais oublié qu'elle avait un tir en cloche en fait, tout simplement. Et vous avez vu que c'était quand même assez efficace et que ça fait bel et bien une mini explosion nucléaire. Normalement, les problèmes sont finis. Ah bah non, on n'allait pas dans la flotte. Ah oui, alors par contre, du coup, oui, pendant un certain temps, ça risque d'être assez radioactif. Super mutant, bâton clouté. Oh bah non, ça vaut pas le coup. Alors là, pour un bâton clouté, je me suis irradié pour un bâton clouté, quoi. Ah non, ah non, ah non, me dis pas que t'es coincé, Marcus. Non, c'est bon. Bon. Bâton clouté aussi. Bâton clouté. Oh! Grenade frag, viande de rataupe. Est-ce qu'on leur dit que je leur ai sauvé complètement la vie, et etc, etc. Je ne sais pas. Ça n'en vaut peut-être pas le coup. Il y en avait si peu, je crois qu'il y en avait un peu plus. Bon bah je vous ai sauvé la vie, eh. Encore. Hein. Bah vous êtes où? Bon bah il est reparti se coucher. Il vient de voir une mini-bombe nucléaire lui passer devant le nez, mais c'est pas grave. Je vais aller voir la fille qui m'a dragué, il me semble qu'elle me donnait des choses. Et j'aime quand on me donne des choses. Et ma bouteille d'eau est vide. Et ça fait chier. Oh non. T'as pas planté à ce moment-là. Ah. Re, chers amis, donc on va voir où est-ce qu'on en était au moment où on a fait la dernière petite sauvegarde. Ça m'inquiète. Ok, on avait gagné. Parfait. Petite sauvegarde rapide. Bon bah vous voyez, au final je fais deux épisodes sans le moindre bug, et là je commence celui-là et ça bug dès le début. Voilà. Salut. Salut. Je commence à me sentir en sécurité. Parfait, c'est pas toi que je cherchais en fait. Oh putain, non, pas cette musique! Excusez-moi pour vos oreilles. Cette musique est copyrightée, elle date des années 20. Mais elle est copyrightée. Donc à mon avis, je me suis baisé tout seul. Où elle est ma copine? Où elle est ma copine in-game? Faites pas chier. C'est l'ange gardien de Big Town. T'es prêt à te battre, c'est cool. Alors, ça t'es quoi? Shorty, voilà. Salut. Salut, vous. Salut, Red. On a réussi. Vous êtes... Oui, je sais. Vous saviez que Flash est sorti avec Strychnine? Je sais toutes ces conneries. Elle ne serait pas si mal si elle acceptait d'affronter la réalité. D'accord, ok, si vous le dites. Alors, hop. La voilà. Je hey crois que je vais vous construire un petit hôtel. Il ne me manque que des bâtiments. Avec qui n'êtes-vous pas sorti dans cette ville? Ne me jugez pas. Ce n'est pas ma faute s'il est... Oui, je suis d'accord. Wow, vous pouvez pas me larguer. On va tous mourir bientôt. Bon, tant qu'à faire, autant que ce soit moi qui vous largue. Je n'ai pas envie d'avoir à m'inquiéter de larguer mon dernier mec. J'ai des priorités.
D'accord. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans le coin, Strychnine? Je traîne dans la ville pour trouver de la craie et du maquillage. Mais il n'y a pas un seul endroit où acheter des trucs. D'accord, ok. Elle est géniale, ta ville. Elle est absolument géniale, ta ville. Et ta vie, d'ailleurs. Il faut l'admettre, hein, l'un dans l'autre. Non, bon, bah, apparemment, il n'y a rien de plus folichon, je vais dire. Papy. Je dois reconnaître que je ne vous faisais pas confiance. Non, qu'est-ce que je raconte? Au moins, je suis pas mort. C'est bien. D'accord, ok, mauvaise. Bon, bah. Oh Flash. ouais, on leur a montré. Surtout moi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. Bon. Apparemment, ce que j'ai fait ici, c'est pas si mal. Dusty, un petit dernier mot? C'est pire de jour en jour ici. T'as qu'à pas dormir en journée, hein. Tu dors la nuit. Ils sont là. Je peux le sentir. Alors, vous êtes con. Je veux un nouveau discours instructif qui me reconnaisse comme roi. N'espérez pas faire peur à quelqu'un ici. Vous pourriez abattre tout le monde en ville quand on vit à Big Town. Oh, vous avez accepté la mort? Vous tuer devrait être facile alors. Oh, pas drôle, je préfère les victimes énergiques qui riment à son douleur. C'est ça, grande gueule. Pourquoi ne pas partir? Bon, allez. Casse-toi. Bon, c'est quand même bien éclaté. Enfin, eux, en tout cas, ont été bien éclatés aussi, hein, faut reconnaître. Ils ont laissé des bouts vachement loin en plus. Eh. Bâton clouté et. Bâton clouté. Bon, bah, c'est cool quand même, hein. C'est jamais pas avant utiliser Mini Nuke, mais après, vous voyez. Franchement, pourquoi s'emmerder, hein. Je sais pas ce que c'est que ça là-bas. Qu'est-ce qu'on a à faire? Alors, l'homme répliqué, il faudrait que j'arrive à Rivet City. Et je n'y suis pas encore. Marchant sur ses pas, survivre au Tas de Vallée. Ça pourrait être sympa. Tiens, j'ai un point là-bas. On va quand même aller regarder ce petit point. Alors, me dis pas qu'il a laissé un bout jusque là. Oh la vache. C'est pas de l'explosion de. De trop du cul quand même. Hein. Ok, d'accord, je vais à l'église en fait pour l'instant. Écoutez, on va. Wow, putain, il m'a foutu les boules. Oh le con! Ferme-la! Quoi? Mais putain, mais. Combien faut de balles pour tuer un chien? C'est incroyable! Y'a des hommes, je les tue avec moins de balles. Oh, ce pont serait miné, que ce serait superbe. Mais bon, j'en demande trop. Ils sont assez nombreux. Si on pouvait les esquiver, ce serait pas mal. Apparemment, notre plus gros problème, c'est le nombre. Hein. Sauf quand on a des grenades, apparemment, ça se passe plutôt bien. Hein. N'en déplaise aux super mutants qui se sont pris des grenades sans les avoir vus venir. Boum! Et boum! Prudence, prudence, mais y a personne. Hein. Ce qui m'ennuierait le plus, c'est tomber sur genre un protectron ou quelque chose comme ça. Ce qui font très très mal et en très peu de temps. Mais bon, apparemment, ce ne sera pas le cas. Cimetière de Hallowed Moors. Pourquoi j'arrive pas à penser à autre chose qu'à des ghouls? On verra bien.
Allons-y, Franco, après tout. Est-il un monticule de terre sympa à... À déterrer, il y a un super bus là-bas. What? Transcription de la famille Keller. C'est quoi ça? Petite voiture, oui, pardon. Une radio, un cendrier, un couteau de combat. Attendez deux secondes, madame, voyons. Ah. Pourquoi faudrait directement qu'on soit à leur merci comme ça? C'est chiant, ils méritent pas. Ils méritent pas qu'on les sauve, chers amis. Des munitions. Je me doute bien que c'est pas elle, hein. Oh. Des fléchettes. On a de la médecine. Nanana. Voyons voir. Journal de médecine, médecine plus sain. Madame, vous allez vous retenir. Je peux maintenant ligoter la prisonnière afin de la transporter. Les cornes ont mordu les poignets. Elle a visiblement souffert de ses mauvais traitements. La détacher. D'accord, elle est muette. Tenez, j'ai réussi à cacher ses réserves avant qu'il ne m'attache. Prenez-les, c'est le seul moyen que j'ai pour vous remercier. Non, c'est pas moi qui en aurais le plus besoin. Vous devez savoir ce qui est pour le mieux, je dois partir. Encore une fois, merci. Voilà. Oui, j'ai préféré que ce soit comme ça, parce que bon, j'ai pillé l'endroit avant devant elle. Ça faisait un peu pute de base. Oui, bonjour, il y a plein de trucs qui t'aideront plus tard, mais je crois que je vais tout prendre. Bonne chasse. Oh, j'ai failli rater ça. Dommage. Ça aurait été dommage. Bon, par là j'ai tout ce qu'il faut, par là j'ai tout ce qu'il faut, partout j'ai tout ce qu'il faut. Juste un truc qui m'intrigue, c'est qu'il n'y ait pas de super mutants. Après tout, ils sont plus ou moins censés être là. Hein. Bon, bah vous savez quoi, on va retourner à Mégaton. On a plein de trucs sur nous. Carte du monde. Ça va? Oh, c'est quoi ça? Oasis. Oasis is good. Je la referai plus jamais. Super Duper Man. Rivet City, c'est à Shy, nom de Dieu. Bon, Mégaton. C'est juste quoi là? Juste, je vais voir ça. GNR Building. Ah bon. De pouvoir commencer à entreprendre un peu plus de quêtes d'histoire, chers amis, ça pourrait être sympa pour vous. Alors, oui, pas besoin de me cacher. Par contre, mettre une armure ne serait pas si bête. Encore vous, hein? Quoi? Non, voilà. Partez. Oui, je m'en vais. J'ai pas encore fait suffisamment pour la ville, j'ai l'impression. Ce qui me trouve le cul assez, en fait, pour être tout à fait honnête. Nathan, casse-toi. Moira. Oh, ne vous inquiétez pas pour l'odeur. Je suis d'accord qu'on pense des infos sur la balle de cerveau. Certains disent que... D'accord. La place de marché. Voyons ces marchandises, voilà. Munitions, jamais. Ça, je donne. Ça, je donne. Ferraille, je garde pour le plaisir. Buff out, jet medix, psycho radix, déjà ça de prix, et je vais lui prendre des trucs parce que sinon elle va tomber en rade. D'accord, j'ai pas vu ces steam packs, en aurait-elle pas? Bon, c'est génial ça. Alors. Alors,
alors, qu'est-ce qu'on a dans le divers? Donc munitions, bah écoutez, munitions, on va prendre ça. Cartouche de 5 mm, je m'en rappelle plus. On va prendre ça. Parfait. X et on est bon. On m'a dit je suis d'accord pour commencer les recherches sur le deuxième chapitre. Ce sera un peu plus difficile, je crois. Il parlera des créatures et de leur comportement. D'accord. Par exemple, repousser les râteaux, en savoir plus sur les fangeux et en cas de problème, comment se soigner. Allez, c'est parti pour le deuxième chapitre. On commence par quoi ? Je sens que je vais le regretter, mais c'est quoi la gestion des blessures ? Eh bien, je n'ai jamais l'occasion d'étudier des gens gravement blessés. Soit ils pleurent pour qu'on les soigne, soit ils se vident de leur sang. Mais vous avez l'air capable d'encaisser, et je ne trouverai jamais meilleur exemple que vous de l'anatomie humaine et de la résistance aux dégâts. Je sais pas comment je vais le prendre. Une fois que vous vous ferez amocher, revenez ici pour que je vous examine avant de vous soigner. Je veux dire, vous vous ferez blesser un jour ou l'autre, de toute manière. Je vais me faire amocher un jour ou l'autre. Qu'est-ce qui justifierait que je me brise les os ? Vous saviez qu'après une fracture, un os est plus résistant. En un sens, vous vous récompenserez vous-même. Moi, j'assurerai votre survie. Mais de manière plus tangible, je peux vous donner une... Pourquoi pas. Et quand ce sera fait, revenez ici avec de belles blessures, genre un membre infirme ou deux. D'accord. Vous aurez des notes. Je vous attendrai avec des tas de pansements. Alors... Se blesser sérieusement, 50 ans de vie au moins, vous allez recevoir une blessure incapacitante. Rappelez-vous. Ok, alors vous allez voir comment on va faire ça, chers amis, ça va être très très drôle. On a quoi, l'abri 101? Bah tiens. On va aller devant l'abri 101. Juste devant. On va se mettre là. On va faire une sauvegarde avant. Je peux pas parce que je suis dans le menu. Non. Hop. Tant pis, non, pas sur la sauvegarde. Bon, tant pis, c'est ça. Alors, je trouve que la résolution dans les menus de ma souris est super grande. Et dans le jeu, elle est pas assez grande. C'est ça qui est compliqué. Alors. Voilà. Pour ce qui est de la chose incapacitante. Voilà. F5. Voilà pour ce qui est des deux incapacitantes et du manque de points de vie. Retournons à Mégatombe. C'était génial, n'est-ce pas? Je suis sûr que ça vous a plu de me voir me faire du mal comme ça. Et du coup, je boite comme un con et j'ai un bras raide. Elle est pas belle la vie, franchement. Nathan, non, arrête. Si à chaque fois que je viens, tu me stalk pour aller chez elle, ça va pas le faire. Madame, vous voyez pas que je suis à moitié mourant? Eh bien, comment vous sentez-vous? Ça fait vraiment mal, vous savez, vous voulez sérieusement que j'aille me faire mal pour votre bouquin? Pourquoi ne pas étudier les blessures sur vous? Je peux vous plomber. Ça fait vraiment mal, vous savez. La bonne cause. Essayez de ne pas gigoter pendant que je prends des notes. D'accord. Comment décririez-vous cette douleur? Vous auriez un conseil pour éviter de tomber dans les pommes? Rappelez-vous, c'est pour la postérité. La postérité, ça me donne des idées. L'adrénaline est la peur de la mort, une bonne dose des deux. Je me console à la personne infligée la même douleur à quelqu'un comme vous. L'adrénaline est utile, soyons honnêtes. Logique. Ça aide aussi pour recoudre des blessures et réduire des fractures. Ça a l'air d'être assez difficile à faire seul. Heureusement, je suis là pour vous soigner. Bon, on ne gigote pas. J'ai qu'une seule de mes jambes, c'est pas la troisième. Comment réussissez-vous à tenir debout dans cet état? Ben, je sais pas, apparemment, je... Bon, j'ai même fait des points de suture en forme de smiley. Oh putain! Pour garder le moral. Mais vous aurez du mal à le voir là où il est placé. Tenez, d'accord. Prenez cette tenue environnementale. Ça vous aidera pour la médecine et ça pourrait éviter les effets de l'exposition. D'accord, merci.
Je suis d'accord pour continuer les recherches du deuxième chapitre. C'est une sorte de répulsif à rataupes que j'ai développé. Je dois le tester sur quelques rataupes avant de pouvoir affirmer que c'est une réussite. D'accord. On ignore beaucoup de choses sur les fangeux. Leur intelligence, leur férocité. D'accord. Et ça devrait être tout. Commençons par le répulsif aux rataupes. Peuvent creuser presque partout et cause des... Mais il faut le tester avant que je mette la recette dans le guide. Alors il faut que vous trouviez quelques rataupes et que vous fassiez des essais. Oui, madame. Mener des produits chimiques bizarres n'est pas très sain. Vous payez combien ? Ne vous en faites pas pour les produits chimiques. Je les ai manipulés pendant la mise au point et je suis en bonne santé. Non ? Et ce sixième doigt qui pousse ? Ce qui bon. Reste des ingrédients que j'ai utilisés. Et si vous faites du bon travail, je vous laisserai peut-être même le répulsif. Parfait. Je vais tester le répulsif. Ce sera facile. Une pression sur l'applicateur. Vous pouvez essayer sur quelques rataupes, mais pour un vrai test, il en faut une dizaine. Il y en a des tas. Dans les égouttiers du centre. Ok, si vous le dites. Ok. Bon, bah écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager. Oui, je suis trop lourd, c'est ça ? Vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Vous pouvez retrouver les liens dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas si vous souhaitez, si vous n'arrivez pas à attendre. Comment ? Si vous n'arrivez pas à attendre Fallout 4, n'hésitez pas à regarder dans la description de l'épisode. Il y aura donc des liens vers mon partenaire GamesPlanet.com pour donc les jeux Fallout 3, Fallout New Vegas. Et pour ceux qui le souhaitent directement, précommander Fallout 4. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!